Tu refuses de me parler, tu déchires mes lettres. Il me reste que la transmission de pensée. Je pense à toi tout le temps, Sonia. Je veux que tu viennes. Je veux vivre avec toi, je veux qu'on soit heureux ensemble. Tais-toi. Tais-toi. Alors, laisse-moi deviner. T'as trompé avec un mec? Non. Qu'est-ce que tu veux? Bah, je suis amoureux de toi. Elle était alcoolique? Droguée? Pas du tout. Au contraire. Je suis homosexuelle. Bah non, on a couché ensemble, t'es bisexuelle. Je veux pas croire que notre amour soit impossible. Je veux pas croire que tu supportes ce monde absurde. T'es toujours avec ta copine? Oui. Tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. Et t'es sûr que tu préférerais pas un mec? Et toi, tu préférerais pas un mec? Vous ressemblez, Cheyenne et toi. Vous croyez tout est facile? Alors si on se ressemble, forcément elle t'aime. Mon amour, il y a des choses que tu veux pas comprendre. Moi non plus, je suis pas d'accord avec ce monde. J'en fais partie. Alors, je vais pas cracher dans la soupe. Eh ben, je vais m'en passer de l'électricité, c'est pas plus bête que ça. On a vécu des siècles sans électricité, c'était pas un problème. Je peux pas être comme toi. Et je le veux pas. Je peux pas me résoudre à ta misanthropie. Moi, le monde, j'en fais partie. Alors j'essaie de l'aimer. On t'explique qu'il faut cotiser pour les autres, pour ceux qui travaillent pas, pour ceux qui sont malades. Mais le jour où tu perds ton boulot, tu te retrouves sans droit comme ça en 5 minutes. Elle est passée où ta cotisation, hein? Dans le grand trou de la spéculation. Je voudrais être radicale comme toi, mais que ça me coûte rien. Ni solitude, ni inconfort moral ou matériel. Tu vois, de nous deux, c'est moi l'idéaliste. À qui tu parles? À personne.